Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Matthieu chapitre 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire les premiers poissons qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-les et donne-les-leur pour moi et pour toi. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Kunana edene kufa ekota ki nanzela yanze te. Kunana edene mama e. O nanzela yanze. Zambe aloba ki na bango nyoso. Mandarin, orange et citron. Bongo zete oyo. Zete ya koye banyoso. Adamu na ewa baroye. Likolo koso ya keo ma kufa e yaki. Yesu mwana zambe na bo aye kopesa momo. Kuna na edene ehe. Zambe aloba kina bango nyoso. Kukikulia banzete nyoso. Mandarin, orange na citron bolia. Kukikulia banzete nyoso. Bongo nzete moyo. Ezali na kufa kulia yangote. Zete ya koye bakoleka oye kome na bina kufa kulia yangote. Zete oye oh. Jésus zete na bomo. Zete oh. Zete oye zete Yesu zete na bomo. Esala kakombo. Ah,
Hara Samalima, 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 H
Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Plus que du boniment. Acclamons très fort pour le roi des rois. Comme vous le savez, nous commençons toujours par faire la mise au point sémantique. En fait, le boniment, c'est une parole flatteuse. Liloba yakokosa. Flatteuse. Yakosa la kondimisa motolikambo. Mais qui n'est pas vrai. Kasi, oezali a solote. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. C'est en cela que même notre législation publicitaire est lacunaire. Ndebi pa yuapi, législation na biso na Itali publicité ezali na likama. Alléluia. Amen. En fait, ailleurs, lorsque la publicité d'un produit ne reflète pas la qualité, il y a des sanctions qui s'ensuivent. Bipa imosusu tango publicité eloko ezali ko landana na kitoko eloko te bitumbunde landana kana sima. Parce que pwete vous avez induit les consommateurs en erreur. Bino botindi ki ba isengeli ba somba na libunga monene. C'est ce qui fait que kyangonde sali boete chez nous vous allez trouver quelqu'un qui sait pertinemment bien qui vient de Nguanzu. Et lui-même, il vous dit original. Alobi o penza ezali ya solo. Non, c'est du boniment. Ezali maloba penza ya lokuta. Donc, en fait, na solo, c'est les mensonges accompagnés d'une flatterie. Ezali lokuta o moto, azali kotambwisa, na kotalisa moto likambo mo point de misa eloko ezali solo te. Amen, amen, peuple amen. De Dieu. Amen. Alors, maintenant, Kinshasa, si ka on a nous Kinshasa, sommes en train de vivre du boniment. Tozali ko bika likambo, maloba oy. Les églises Ecclesia. Se servent de la parole de Dieu ezali ko, ko sali la iloba na nzambe pour s'enrichir. Pona ko zwa misolo. Alors, pour cela, pona yango, il faut s'attaquer aux autres et singeli ko telemela bato mosusu par méchanceté na motema mabe penza. Ce n'est plus de l'évangile, ça devient un fonds de commerce. Yango ezali susu ko panza sangote yango ekominde ko luka lo lenga ko zwa misolo. C'est pourquoi vous verrez des gens qui vous disent que benantina bakomona bato batalisi bino boete dès que vous venez chez nous tango yo yebi pa ina biso votre souffrance pasi na yo va se terminer. Et aussi la carrelo. Non, non. Et? La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Biblia lo bibo ya bipa ina ngai bino nyonso bo silikolemba. Et vous recevrez du repos. Pebo ko yamba bo pemi. Donc, le repos c'est au futur. Bo pemi ezali na mikolo ekoya. Cela veut dire que ça peut se faire aujourd'hui. Yangwelo eliki koloba bo ete oiko salema lelo. Ça peut se faire demain. Et quoi qu'on sale mas lobby. Ça peut se faire l'année prochaine. Et quoi qu'on sale mambula ou ekoya na sima. Mais le plus important c'est que garder l'essentiel. Kasi ya motuya ezali te bobomba o ya motuya. Et l'essentiel c'est le Seigneur Jésus. Et ya motuya pona biso ezankolo Jésus-Christ. Alors, c'est ce qui va se passer un jour dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Yangonde ko sale mamokolo moko na lisolo ankolo Jésus-Christ. Vous devez faire très attention dans votre vie. Plus Dieu vous utilise,
plus vous devez vous attacher à lui. Donc, je voulais dire que chaque fois que Dieu t'utilise, chaque fois que Dieu te visite, n'organise pas un défilé pour qu'on puisse te voir. C'est à ce moment-là que le diable se réveille. Souvent, les chrétiens sont attaqués parce que après avoir reçu la visitation du Seigneur, c'est la distraction, c'est la somnolence. Quand est-ce que Jésus est attaqué par le diable ici? C'est après la transfiguration. Donc c'était le jour de la transfiguration que Pierre, Jean et Jacques comprirent que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Donc c'est ce jour-là qu'ils avaient vu Élie et Moïse descendre, s'entretenir avec Jésus. Ils n'ont jamais vu. Makambo estikala komona na te, kosale bate. Bien aimé, c'est pour dire que quand tu es avec le Seigneur, tu verras des choses que tu n'avais jamais vues dans ta vie. Mais à la seule condition d'être le compagnon de Jésus partout, tu ne vas plus te promener avec Jésus aujourd'hui. C'est pourquoi il était écrit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Donc c'est-à-dire que celui qui ne peut pas marcher physiquement avec Jésus aujourd'hui, il doit se faire accompagner de la parole. Amen. Mais ce n'est pas comme j'avais vu quelque part. Je suis allé chez une sœur. Avant de dormir, elle avait pris la Bible de Jérusalem, elle avait pris, mis au chevet de son lit. Azwa Biblia Jerusalem atia na mutu ambeto. Le Nouveau Testament vers l'autre bout du lit. Alors elle me dit, Alobi nangambo, papa, Oeza Char, Alobi Char papa, c'est la Bible de Jérusalem. Oeza li Char, Okuneza revolver. Kuna, Oeza li revolver. Acclamons très fort. Beti maboko makasi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Yangonde tozali kolobela te. Les livres dont on parle là, beaucoup au bazali kolobela, c'est la parole. Ezali loba. Donc, je ne vous interdis pas de vous promener avec votre Bible. Ça va vous permettre de consulter les Écritures. Mais le plus important, c'est que la parole doit être dans votre cœur. Partout où vous vous déplacez, vous savez que moi je suis chrétien. Il y a des choses que je ne peux pas faire malgré les problèmes. Pourquoi nous le faisons? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas du boniment. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, après la démonstration de la montagne, comme j'étais en train de le dire, que ce n'est pas tout le monde qui est Jésus, qui est Dieu. Même si nous prions tous. Il y avait 12 apôtres. Seulement 3 étaient montés avec lui. Donc il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Ils volent comme tout le monde. Ils mentent comme tout le monde. Ils insultent comme tout le monde. Et souvent ils insultent au nom de Jésus. Moi je me souviens, il y a une dame, une maman, quand on grandissait, elle s'est chamaillée avec les gens dans le quartier. Azalaki ko swana na bato epai tozalai ko fan. Après elle leur avait dit, na sima alobi na bango boye. Na kenan lo sam. Alobi je vais d'abord à l'église. Na zo zongela bino. Mais à mon retour, je vais revenir à vous encore. Et quand elle était à l'église pendant qu'on prêchait, tango azalaki na église ya wana bazali ko te. Elle n'a pas suivi la prédication. Alandi atalité até. Alors, quand il rentre à la maison, vous voyez nandako. Les maisons là des colocataires. Bomoni bandako yo.
Bato bazali ko foot rebelle si kamoko. On va bengi en Afrique de l'Ouest. Cour commune. Cour commune. Quand elle rentre, Tangwazoni. Elle prend la Bible. Azui Bible. Elle jette. Abouaki. Elle dit que j'ai déjà jeté la Bible. Alobi na bouaki Bible. Maintenant vous allez me sentir. Sikawa boko yoka lolenge ngana zalaka. Bon, ça c'est pour les christianistes. On est abo Christo li susute. Ce n'est plus le christianisme. Ezali bo Christo li susute. Bien-aimé, je voulais vous faire voir que Jésus, on doit l'avoir dans la savane et aussi sur la montagne. Donc, c'est-à-dire que partout où vous serez, soyez accompagné de Jésus. Malheureusement, Kinshasa, on nous a mal présenté Jésus pour que quelqu'un sache qu'il est avec Dieu. Il veut un peu qu'il tremblote. C'est ce que vous voyez quelqu'un. Il prêche comme je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont Dieu partout. Et le Dieu là, ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une amulette. Dieu là dont je parle, c'est que quand il marche, tu fais tout conformément à la parole de Dieu. Tu es une fille. Un garçon te courtise. Et l'engue mobile a tiré au lit. Tu lui dis que nous sommes des Christo. Imagine-toi pendant que tu te suis là. Quand ni Satan gozali komi baby ça. Et que tu mourais. Au coufim balamoko. Donc des défaites. Koka ke mambalami balé. Et ben maintenant, pour ça le succès maintenant n'est pas ma bé. Et après, auquel il fait l'eau. Et après, tu iras en enfer. On ne prie pas pour plaire aux gens. On prie pour plaire à Dieu. Parce que les gens ont leur façon de faire. Et ils pensent que si, et ils vous condamnent, Dieu va vous condamner aussi. Non, non. Le jugement de Dieu est différent du jugement de l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas te faire de soucis parce que les gens te condamnent toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous parle de l'histoire de cette femme adultérée qui faisait l'adultère avant Jésus. On l'amenait chez le Seigneur. Le Seigneur va lui dire que moi aussi je ne te condamne pas. Mais ce qu'il avait dit, que ne répète plus ce que tu étais en train de faire. Donc je voulais que même si ton passé était très noir, je voudrais que ce matin que tu prennes l'engagement de ne plus y revenir. Ce n'est pas en volant que tu vas t'enrichir. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont été nourris par des inconnus comme Élie. Tu voles pour nourrir les enfants. Et Dieu a encore des corbeaux en réserve. Ces corbeaux là sont capables de prendre en charge tes enfants et toute ta famille. Alors bien-aimé, quand Jésus descend de la montagne, on pensait qu'il n'avait plus de puissance. Directement, les collecteurs de 2 drachmes vont venir. Amen, amen, peuple. Amen. Les 2 drachmes, c'était quoi? Les 2 drachmes, c'était l'impôt du temple. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que en Israël, pour le fonctionnement de l'église, c'est seulement ici, là, au Congo, où vous voyez les gens se moquer de l'église. Au Congo, on applique la loi avec rigueur que contre les plus faibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église Ecclesia était prise en charge même à l'époque de Jésus. Ezalaki kosunga matana ntango na Yesu. C'est pourquoi les pauvres ont servi Dieu. Ce n'est pas eux qui sortaient l'argent pour l'église. Alors, comment les choses se passaient? Il y avait ce qu'on appelait l'impôt du temple. Et cet impôt valait 2 drachmes. D'après les droits du travail des juifs, les 2 drachmes correspondaient au SMIC de 2 jours. Et
fait. Dans le pays des hommes normaux. Quand quelqu'un travaille, il doit avoir le salaire minimum garanti. Donc on sait que même si il ne lui donne pas autre chose, par jour il aura autant. Amen, amen, peuple. Amen. Et l'impôt du temple valait deux jours de salaire. Alors qu'est-ce qui va se passer? D'après, donc vous pouvez lire ce que je suis en train d'évoquer ici dans Exode 30, à partir du 13e verset. D'après la loi juive, les enfants des rois étaient exemptés des impôts en Israël. Donc, les impôts, ceux qui les payaient, c'était des hommes ordinaires. Mais les enfants des rois, et ils n'étaient pas soumis aux impôts. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est chacun, c'est tout le monde qui devait payer l'impôt du temple. C'est tout le monde en Israël qui devait payer l'impôt du temple. Le fonctionnement de l'église dépend de la contribution de tout le monde. Et nous sommes dans un pays. Non, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Ce sont les gens qui volent, qui traitent les pasteurs de voleurs de l'offrande. Ils ont mis la DGD à genoux. Ils ont mis la DGI à genoux. La DGRAD. La GECAMINE. La SNEL. Et ils sont saints. Bango bazali ba santo. Ceux qui bagui m'imiter, moko ekufu pa nini. Donc, vous savez, Dieu jugera. Je dirai rigoureusement les autorités de la RDC. C'est anormal. Vous-même, vous volez. Mais vous attaquez les innocents, que ce sont des voleurs de l'offrande. C'est cancre. D'abord, ne fût-ce qu'en droit. Les associations vivent de cotisation de leur membre. Il y a quand même la parole de la paille et de la poutre. Avant d'attaquer les autres, examine-toi toi-même. Donc, eux qui volent, ils traitent les pasteurs de voler. Non, je sais que vous êtes très fort. Mais Dieu vous jugera. Personne ne vivra plus de 100 ans parmi nous tous ici. À part moi, peut-être Dieu peut me faire grâce pour aller à 130. Pour continuer à crier sur les toits pour que les gens se convertissent. Donc, les gens pensent que, comme ils sont dans une position de force, ça sera comme ça jusqu'au retour de Jésus. Non. Les pouvoirs est cyclique. Ceux qui ne sont rien aujourd'hui, demain seront les maîtres du Congo. Le minimum de justice dans ce que vous faites, ça fait mal. Comment les gens qui ont détruit le Congo peuvent dire que les pasteurs volent l'offrande? Est-ce qu'ils savent comment nos églises ici fonctionnent? Ne suivez pas la pièce de théâtre qui se passe ici après Kilte. Papa, donne-nous l'argent. Ça dépasse rarement 200 000 francs. Et les caca 200 000 francs. Papa, venez. Vous lui donnez le micro. Ce que j'ai dit ici, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, papa. Entrez. Nous ne le faisons pas pour l'argent. Rien que les loyers, donc tu peux commencer à vendre les unités, faire l'échange au coin de la rue. Mais ce sont ces voleurs, ces pillards qui disent que l'église vole l'offrande. Non, j'évoquais cela pour vous dire. Depuis le Seigneur Jésus-Christ, les Salomon avaient laissé cela. Salomon batika kalikambo. Il y avait l'impôt du temple payé par tous les Juifs.
et ça faisait des drachmes. C'est-à-dire que chaque personne, sur les 365 jours de l'année, des jours étaient confiés à l'œuvre de Dieu. Et les collecteurs de cet impôt vont attaquer Jésus. Ils vont lui dire, est-ce que votre maître lui ne paye pas les deux drachmes? Pierre lui répond, il dit non. Non, ne paye pas ces trucs-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi Pierre disait ça? Il savait que dans la caisse, il n'y avait rien. Oui, je sais que tel que tu es là, tu as perdu la régie des autres semaines. Parce que dans la caisse, il n'y a rien. Mais je voulais que tu saches que la parole de Dieu, c'est plus que du boniment. Donc, ce que la parole d'un homme ne sait pas faire, la parole de Dieu est capable de et tel que je suis en train de parler maintenant, que tous ceux qui sont en ordre avec Dieu, que Dieu puisse remplacer ceux qui manquaient dans leur vie. Et ça allait être une honte pour l'Église. Ça allait être une grande honte pour l'Église. Il y a des choses, je vous l'ai toujours dit, qu'il faut éviter dans la vie. C'est le péché et la pauvreté. Ce sont des choses qui rendent ridicule. Le péché te rendra ridicule devant les démons. La pauvreté te rendra ridicule devant les hommes. Ça va te pousser à poser des actes qui ne sont pas convenables. Vous serez obligé de mentir. Ça ternit l'image, ça détruit l'honneur. Nous avons des grands ennemis, nous chrétiens. C'est le péché et la pauvreté. Quand tu pèches, tu perds ton pouvoir sur le diable. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui. Si tu vois quelqu'un trembler devant les diables, c'est qu'il n'est pas en ordre. Alléluia. Amen. J'ai dit que la parole de Dieu, c'est plus que le boniment. Alors, Pierre, comme l'homme reste ce qu'il est, il venait de voir des choses sur la montagne de la transfiguration. Logiquement, il devait comprendre que de la même manière que Moïse et Élie étaient descendus, Dieu pouvait faire descendre les dégrâces. En pleine discussion avec le collecteur de l'époque, Jésus va l'appeler. Il lui dit, Pierre, est-ce que nous, les enfants du roi, est-ce que nous pouvons payer les pots du temps? C'est de là que Paul avait pris le message selon lequel qui fait le service militaire à ses propres frères. Est-ce que nous, les enfants du roi, pouvons payer encore le pot du temps? Ça veut dire, est-ce que nous pouvons prendre l'église en charge? Alors, Pierre dit, nous ne donnons rien. Mais Jésus lui dit, pour ne pas les scandaliser. Parce qu'ils vont penser que nous n'avons pas l'argent. Et je veux faire quelque chose. Ma soeur, mon frère, je voulais que Dieu va faire quelque chose. Mais avant d'en arriver là, tu dois être avec lui partout. Tu dois avoir la parole de Dieu partout. Regardez comment les fidèles vivent maintenant. C'est à la manière des païens. Ils font tout comme les païens. Non, frères bien-aimés. Nous devons avoir une conduite conforme à la parole de Dieu. Moi, je te dis, devant la parole, ne recule pas. Alors, pendant que Pierre
désespérés parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus rien dans leur caisse, il va dire, Seigneur, nous n'allons pas payer. Non, le Seigneur Jésus-Christ, il va lui dire que nous allons payer. Il y a deux éléments qui amènent le miracle. Financier dans la vie de l'homme. Je voulais insister là-dessus. Il y a d'abord la puissance de Dieu, mais aussi l'expertise que tu as. Très important pour avoir la bénédiction durable. Je vais parler calmement pour que vous puissiez me comprendre. Pourquoi chez nous, les gens ne reste pas longtemps dans le statut de patron. Il n'y a pas assez d'expertise. Dieu va te bénir. Certainement. Mais il bénit en tenant compte de l'expertise de tout un chacun. Il ne te demande pas de devenir professeur d'université. Aujourd'hui, si tu veux le devenir, deviens-le. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu bénit en se servant de ce que tu sais faire dans la vie. Si tu sais faire la politique, persévère, Dieu va te bénir par la politique. Si tu sais faire le commerce, persévère, améliore le commerce, il va te bénir par le commerce. Si tu es pasteur, persévère, améliore la qualité de l'enseignement. Marche dans la crainte de Dieu. Il bénit en se servant de l'expertise des gens. Il pouvait faire descendre l'argent. Mais il a dit, à mes côtés, j'ai un pêcheur professionnel. Alléluia. Amen. Il va te bénir. Maintenant, que tu sais faire. Pourquoi les enfants de Dieu, leur bénédiction ne dure pas? Ils n'ont pas l'expertise. Ils banalisent le travail. Pour eux, c'est toujours la culture de la providence. Comme on dit chez nous, chance et l'eau. Non. C'est pour cela que les chrétiens n'est pas béni pendant longtemps. Apprends à faire quelque chose de manière correcte. Je vous ai toujours dit, je voulais encore le répéter, les diplômes sont très importants. Mais il faut savoir faire quelque chose avec les diplômes que tu as. Tu es économiste, reste dans l'économie. Perfectionne-toi dans l'économie. Pour que quand tu parles, que les gens se taisent. Tu es mathématicien. Améliore-toi en mathématiques. Pour que tu puisses émettre non seulement des avis éclairés, mais des avis qui font autorité. Le Seigneur va bénir Pierre, mais en se servant de ce qu'il savait faire. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? À part Kotonga, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Vous savez que j'ai rencontré un étranger. Parce que nous, comme nous avons du bois, d'ailleurs, le potentiel, c'est 1 milliard de mètres cubes là. Donc, 1 milliard de mètres cubes Nambula, Makoki. Nous ne pouvons pas importer les chaises qui viennent de la Chine. C'est anormal. Et ce qu'ils envoient là, ce n'est pas du bois. Vous voyez dans nos ateliers de menuiserie, la poussière là qui tombe, c'est ce qu'on utilise pour faire des chaises et pour retourner. Donc, en principe, nous, on devait avoir des menuisiers de qualité ici. Mais quand cet expatrié-là arrive, il a cherché à commencer à recruter les menuisiers. Je vous dis, il n'en a pas trouvé. Ici, on a dit que chance est le Balobi.
Non. Chance loko, tu es enfant de Dieu. Ozali moi, Dieu va te bénir. J'en suis sûr. Mais Dieu bénit. En tenant compte de ton expertise. Azali kota la makoki ya kweba kosa la mosala. Je vous dis. Nathalie Sibino Penza Polele. Les Congolais ont une mauvaise conception du christianisme. Dieu bénit les gens selon leurs compétences. C'est ce qui fera que la bénédiction va durer. Oh, lorsqu'à partir de maintenant, que votre bénédiction dure à jamais. Le Seigneur regarde. Il voit que non. À mes côtés, j'ai un pêcheur professionnel. Dieu n'utilise que nos talents. Pierre était pêcheur de poissons. D'après son père, quand Jésus le recrute, il reste toujours pêcheur. Mais amen. Parce que pour pêcher le poisson, il faut une stratégie. Et si vous ne savez pas, ceux qui boivent bien moi j'ai vu ça. À Goma. La pêche sur le lac Kivu. C'est la nuit. J'ai demandé pourquoi. Les pêcheurs m'ont dit que la journée avec les bateaux et les canaux rapides, les poissons fuient. Toi, tu es comme ça. Le jour où il a plu, c'est en ce moment-là que tu vas au marché. Les clients, vous n'êtes pas là. Je pense qu'ils viendront. Acclamons très fort. Ils viendront comment? Mais c'est anormal. Que vous trouvez quelqu'un qui vend les produits de première nécessité. C'est-à-dire le sucre, le lait et le thé. Azali kote kasuka, il se réveille à 8h. Mais les enfants sont déjà allés à l'école. Quand tu fais ça, 5h, tu es déjà ouvert. Je ne sais pas là. Vous me regardez comme ça. 5h, tu es déjà là. Il ne faut pas compliquer les gens avec les gros nidos en attendant que les godets viennent. Comment ça? Il y a maintenant les laits en sachet. En marketing, ça s'appelle la segmentation du marché. Et ça, et des petites mesures de sucre. Tu vas réussir. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas avoir une expertise? Je veux que nous ayons des généraux dans cette église. Mais ça doit être des vrais généraux. Solo. Je veux que nous ayons des ministres ici. Mais ça doit être des vrais ministres. Quand il est ministre des finances, les finances sont en lui. Finances en kati na epenze fanda. Alléluia. Amen. Pour si tu veux avoir une bénédiction qui dure, ce que lié qu'aux analyses pambolées allez comme compte sur la puissance de Dieu. Yo talé languya nanza. Mais ayez une expertise. Bezala na boyé biamosala songolo. Vous ne voyez pas depuis que vous priez. Bomoni uta bozai kobondela. Qui a une société minière parmi nous? Nanyazali na société minière na kati na biswa. Vous voyez un pays qui a tous les produits stratégiques du monde. Mais on n'a pas des grandes écoles de mines. Les gens qui doivent savoir comment nous pouvons transformer notre coltan, notre cobalt, non. Ils sont toujours là, non, moi je suis ingénieur. Ingénieur civil à mine. Ingénieur civil à mine. C'est vraiment un civil, comme tu l'as dit. Azali civil ou quoi? Azali Koloba. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le coltan? Coltan. Il faut envoyer ça aux États-Unis. Mais pourquoi on envoie ça aux États-Unis? Pourquoi nous, on ne peut pas fabriquer ce que les Américains font là avec le coltan? Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Dans la vie, il faut oser. Amen. Il faut oser. Ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais tu as osé. Je voudrais que ce matin te faire comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas du boniment. Mais pour que Dieu te bénisse, il va se servir de ce que tu as comme talent. Alors,
Jésus se rend compte que à mes côtés, j'ai un péché. La bénédiction ne passera que par ses mains. Il appelle Pierre. Acclamons très fort pour Jésus. Il appelle Pierre. Il lui dit, et comme il en est ainsi, prends la maison. Très important. Regardez dans toute l'histoire de Pierre. Pendant qu'il était pêcheur, lui il travaillait avec le filet. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Quand tu t'attaches à Dieu, il va transformer même ton outil de production. Tu étais chef de bureau. Tu deviens chef de division. Tu deviens directeur. Tu étais directeur. Tu deviens secrétaire général. Premier ministre. Donc quand tu rencontres Dieu, quand tu t'attaches à lui, il change même ton outil de travail. Tu étais détaillant. Tu deviens grossiste. Donc directement le progrès. Celui qui était habitué à prendre les risques dans la mer, Dieu le met à l'abri des risques. Laisse que ce matin, que Dieu te mette à l'abri des risques. Dieu va dire que tu ne vas plus entrer dans la barque. Mais maintenant avec la maison, tu seras sur la terre. Mais la maison va te permettre de tirer le poisson des eaux à la terre. Ah, laisse que tel que je suis là, que tu puisses avoir une maison qui est capable de te permettre de tirer les humains, les villas, de la mer et de les ramener sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pierre dit au collecteur d'impôts qui attendait moi, il a dit que j'aille à la mer. Là-bas, je vais prêcher les poissons et je vous amène l'argent. Alors, le collecteur d'impôts, comme il savait que non, Pierre était spécialiste. Ils se sont dit ceci. Le temps qu'il attrape le poisson et qu'il le vend, nous lui accordons peut-être 4 heures. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Donc au départ, avant Jésus, pour avoir de l'argent, il devait d'abord pêcher le poisson et le vendre. Mais avec Jésus, il pêche le poisson et le poisson sort de l'argent immédiatement. Laisse que, comme tu es maintenant dans la sanctification, que tout ce que tu vas entreprendre vomisse l'argent au nom du Seigneur. Que tout ce que tu vas entreprendre, même si tu n'es qu'un simple chauffeur, ne tiens pas compte de ça. La parole de Dieu, ce n'est pas du boniment. Quand Dieu dit quelque chose, elle arrive immédiatement. La parole de Dieu est une puissance. Quand elle sort, elle ne rentre pas vers Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle était sortie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je voulais dire à quelqu'un ici que quand tu viens dans cette église, ne pense pas qu'il y a un homme qui peut résoudre tes problèmes. Mais nous avons un super homme. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il change l'outil de production. Laisse que tout ce que tu faisais les champs avec la houe, que Dieu leur donne des tracteurs. Que ceux qui avaient des tracteurs, que Dieu les fasse entrer dans l'agro-industrie. C'est le Dieu qui change les instruments de travail. Amen. Alors quand Pierre descend à la mer, on le voit venir. Ah, on disait, mais tu n'as pas de filet. Parce que le filet,
Il était large. Il était vaste. Quand vous venez, tout le monde voyait que vous étiez venu faire quelque chose. Ah, je sais que vous ne me comprenez pas. Le filet de pierre est semblable au ministère de Moïse qui était accompagné de toutes les cérémonies. Mais avec Jésus-Christ, et la maison cachée dans la poche est capable de faire quelque chose. La maison dont je me sers ce matin, c'est la parole de Dieu. Que cette parole que je suis en train de proclamer puisse sortir des poissons dans vos maisons, dans vos poches, dans vos entreprises, et que ces poissons vomissent de l'argent. Amen. Je vous dis, rien ne remplace la parole. La parole fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Et pour que cette parole puisse agir, elle doit trouver en toi du talent. Tu es enfant de Dieu. Quand Dieu te bénit, apprends à gérer. Tu n'as que 100 000 $. Et tu dis, non, je veux avoir l'aîné comme celui du pasteur Godin. Amen, amen, papa. Amen. Attends, sois un bon gestionnaire. Que Dieu te bénisse. Apprends à gérer ce que Dieu t'a donné. Beaucoup de gens parmi vous ici, si je demande quel est le budget, ceux qui n'ont ni budget familial, yalibota, de chacun de vous ici par mois, beaucoup ne vont pas répondre. Tu es fonctionnaire. Tu fais des affaires. Mais tu dois savoir combien tu dois dépenser par mois. Épargner. Alléluia. Amen. Olé manga me golé mon cocolité yaya. Omona mutu mususu na nazina mbongo ebele. Tazaka na $200,000. Tu verras quelqu'un qui n'a que $200,000. Quatre makango. Elle a quatre copines. Dis à ton voisin, sois intelligent dans la vie. Bien-aimé, je voulais vous dire que Dieu opère les miracles, mais en se servant de nos talents. Quand il y a les talents, il va accompagner ces talents. Il va les transformer. Je voulais vous dire que je sais que ce matin, vous étiez venu avec des filets. Vous ne rentrerez jamais avec des filets. Chacun rentrera avec son hameçon qui va l'aider à pêcher à partir de la terre. Dieu va vous donner des activités qui vont faire que vous puissiez être là pour coordonner. Ce sont les autres qui vont travailler pour vous. La parole de Dieu est une puissance. Quand elle sort, elle produit des effets. Il y en a qui étaient venus tristes parce qu'ils n'avaient rien. Mais je voulais vous dire que l'Éternel des armées, il va opérer des miracles aujourd'hui. Et les miracles qu'il va opérer passent par la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, il y a des impudiques qui disent que pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Mais Dieu ne peut pas te bénir. Parce que tu es dans les mains. Il ne peut pas. Pierre, avant de vivre les miracles, il était attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Il était toujours avec Jésus. Et notez qu'avant de voir Jésus, les collecteurs d'impôts ont vu d'abord Père. Ils ont vu d'abord Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ils savaient que si nous voyons Pierre, c'est que nous avons vu Jésus. Donc aujourd'hui, avant que les gens ne voient Dieu, ils doivent d'abord te voir. Quand ils vont voir ton comportement, ils vont dire que nous avons rencontré Dieu. Alléluia. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Quand Pierre prend son hameçon, il le jette dans l'eau. Le poisson vient. Comme le Seigneur l'avait dit. Il y a
une complémentarité terrible entre Dieu et son serviteur. Il faut faire très attention dans votre vie avec les serviteurs de Dieu. Acclamons très fort. Il était parti chercher des drachmes. Mais Dieu va lui donner un statère. Le statère, c'est le double de deux drachmes. Ezali double, il y a drachmes mi balé, statère égal et kokani quatre drachmes. Quatre drachmes. C'est-à-dire que le poisson ne voulait plus que Jésus vive encore dans la dèche. Il devait payer l'impôt et garder quelque chose. Donc à partir de ce matin, Dieu vous donnera l'argent pour couvrir tous vos besoins. Mais il en restera quelque chose. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais parler du statère. Ils avaient besoin de deux drachmes. Ça représentait l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais qui pouvait continuer avec l'Ancien Testament parce que Moïse était déjà mort? Alléluia. Amen. Mais qui pouvait continuer avec l'évangile parce que Jésus a été déjà tué? Il fallait avoir quatre évangiles. Amen. Les évangélistes peuvent mourir. Mais nous avons déjà les quatre évangiles. Si les évangélistes partent, les quatre évangiles seront toujours là. On va trouver d'autres personnes pour propager la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas encore fini. Pierre était parti chercher les deux drachmes. Mais Dieu lui donna un statère. Donc au lieu de deux, Dieu lui en donna quatre. Dites amen, je ajouter. Je sais que dans cette église, vous êtes venus chercher des drachmes. J'en sais quelque chose. J'en suis sûr. Vous êtes venus pour la vie éternelle. Mais vous n'allez pas rentrer comme ça. Si la vie éternelle, Dieu ajoute les polices. Alléluia! Ah, je voulais te dire, la Bible dit que nous nous prions, mais si nous prions en esprit, l'esprit sonde nos cœurs. Il connaît nos besoins. Mais Dieu, il nous donne au-delà de la mesure. Laisse que ce matin, que Dieu te donne au-delà de la mesure. Que Dieu te donne au-delà de tes attentes. Tu avais demandé une maison, qu'il t'en donne 20. Tu avais demandé 5 avions, qu'il t'en donne 50. Tu avais demandé le mariage, qu'il te donne le mariage avec bonheur. Tu avais demandé le travail, qu'il te donne le travail rémunérateur. Tu avais demandé la grâce, que la grâce t'accompagne jusqu'à l'infini, ma gare. Ce matin, je parlais de quoi? Notre thème s'intitulait plus que du boniment. J'ai expliqué que le boniment, c'est la parole de l'homme. Elle est flatteuse. Elle n'est pas vraie. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vie. Elle est capable de faire ce que moi je ne sais pas faire. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé a été fait par la parole. Est-ce que la parole que j'ai prêchée ce matin puisse être créée dans votre vie? Ce que vous n'aviez pas, ceux qui n'avaient pas la bonne santé, qu'ils reçoivent ceux de la part de la parole. Ceux qui n'avaient pas le travail, qu'ils reçoivent ceux de la parole. Ceux qui n'avaient pas. My God! Je n'ai pas eu le temps d'expliquer les chiffres 4. Les chiffres 4, c'est le caractère de ce qui est universel. C'est pourquoi il y a 4 points cardinaux. Songa, songa, songa. Quand on te donne 4, c'est qu'on veut dire dans le monde entier. Amen. Oh, il est temps. Ngonge koki. Il est temps. Ngonge koki. Je ne serai pas abusé de votre patience. Ko bebisa, ko zela na bino, motema bino molai, pona ko zela. Je voulais que vous sachiez que la parole de Dieu, liloba na Nzambe, ce n'est pas du boniment. Yango ezali maloba lokuta te. C'est une puissance. Yango ezanguya. C'est une réalité. Yango ezali solo. Cette parole, liloba oyo,
change les choses de manière instantanée. Et bongo la kamakambo mbala moko na mpoisa. Pierre qui manquait des drachmes. Petelo azanga ki drachme mi balé. S'est retrouvé avec un statère. Ami kuta na statère moko. Crois à ce que j'ai dit. Ndimana ona zali koloba. Tout ce qui te manquait. Nyonso zala ki kozanga. Tu en auras plus. Okozwango koleka. Amen. Celui qui n'avait pas de fiancé. Yeva zala ki qu'il soit courtisé par 20 garçons. Namobali akobala été bilengue tuku ingénieur, médecin, avocat, député, ministre, député, ministre qu'il vienne. Celui qui n'avait pas du travail. Wazaki na mosalate. Qu'il en trouve 30. Azwango tuku misato. Amen. Au fonds monétaire, à la banque mondiale, à la banque centrale, que ça vienne. Et il y a Benzebele. Je voulais vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas du boni. Yango ezali maloba lokuta. Si tu étais venu malade. Ce qui na bokono. Cette parole. Lilobo. T'a guéri. Et pikisio. Amen. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps. Nazalaki na makambo ebela koloba kasi ngonga. Et télé bénédiction. Je préfère m'arrêter là. Na sepeli kosukawa. Je considère pour ma part. Namoni. Je considère pour ma part. Namoni pour les tenues angai. Que j'étais très utile pour vous. Nazaki na motu ya benza pour abino. C'est ainsi que je préfère m'arrêter. Ndebo na sepeli kosuka. Il me reste. Etika lelingai. De dire une seule chose. Olobali kambo moko pam. C'est ça le message. Yango ndensa. Amen. Que Dieu bénisse les mamans. Maman. Que Dieu bénisse les papas. Nzamba pambola batata. Ses serviteurs et ses servantes. Basali na basi. Que Dieu bénisse chantre, technicien et protocole. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Facebook, WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse Jikaka. Que Dieu bénisse Martin Fayoulou. Que Dieu bénisse Jaber Bemba. Nzamba pambola. Que Dieu bénisse Moïse Katumbi. Nzamba pambola Katumbi. Tout celui qui va chercher à provoquer des guerres en RDC. Que Dieu le tue. Nzamba bomaye. Et que Dieu bénisse. Nzamba pambola. Nakatia lupango.